leur con et je pêche. C'est trop marrant, j'avais trois squelettes autour d'un mur en train de danser. Ah, j'en peux les avant. What the fuck? Ah GG Italian S 117. Tu passeras pas là. Ah il va passer hein. Il est déter. Ah oh, il est déter. Sur ma vie il est déter. Tu lui parles? Tu lui parles? Non je lui parle pas. Ah il est déter. Ah sur ma vie il est déter. Il est passé. Il est passé gros. Ah regarde au top de l'île, regarde derrière toi. Alors le jump de la mort. Vas-y. Ça s'appelle Secret Johnny. Allez Johnny. Allez Johnny. Do it. Just do it. Allez Johnny. Allez Johnny. Allez Johnny, tu vas le faire Johnny. Hello boy. Come on Johnny, come on. Eh non, mais pas moi! Mais calme-toi, Johnny. Come on, Johnny. Do it! Do it, Johnny. Où ça? Là-haut. Bouge pas, tu m'entends, Citex? Oui. Ok. J'étais pas mute, moi. Le placeport, il va péter. Je sais. Il est close à la destruction. Oui. Bougez pas, je vais le shot à l'arrière. Oh merde! Ah merde. Bon bah. En fait, tu t'as échappé. Hein. Eh, tu peux le faire, Yahoo. Oui, oh non. Non. Je peux pas te tendre la main, putain. What the fuck. La course. What the fuck. Si tu veux. T'es un monstre. What the fuck. Cacaloto. What the fuck. Regarde en bateau. What the fuck. Les deux vont couler. Mais non. Moi je viens de terminer la vague hein. Ouais j'ai. Vous faites pas d'efforts. Oui. Oh, 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 oh. Pas les hits. J'ai vidé toutes mes balles sur lui. Ouais, moi aussi. Incroyable. Je suis pas en Kaboom. Problème réglé. Y'en a un seul qui pêche pas, hein, qui est sur le pont Warcon à l'avant. Ça y est, quoi, il se met à pêcher. Ah, ça y est. Ah, non, mec, mais ils sont à 3 en train de pêcher. Quatre, hein. Ils sont à 4. À 4. Non, mais laissez tomber, les gars. Regardez ce que je vais faire. Attends. Attends, go en vrai, go les spawn kill, mec. Ils vont jamais faire la quête. Hein. Attends, regarde. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce Bon les gars, la pêche est mal ou pas? Ils s'en battent les couilles. Attends, et donne-moi ton poisson. Hop, merci. Attends, vas-y. J'ai une carotte sur le poisson.
Vas-y, on pêche avec eux, vas-y, vas-y. Ils ont rien vu, par les mecs sont pas en mode. Putain, mais y'a 4 lignes en plus, c'est quoi ce délire? Le gars, il nous regarde, l'autre regarde le kebab, il nous regarde. Ah oh, putain. What the fuck? Ah bah nice. Ça c'est de la projection de bateau ça. Champion du monde ou pas? Regarde le bateau. Ouais, je vois. À droite. Regarde, regarde, il monte de plus en plus haut. What the fuck? What the fuck? Mais c'est qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? C'est glitch ça, c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce que c'est? Il monte de plus en plus haut et de plus en plus vite. Ah, je suis bloqué. Non mais c'est sérieux, je suis bloqué à l'intérieur. Non mais what the fuck? Yvan, gros. Vas-y, vas-y, vas-y. Je peux pas bouger. Je suis TP. What the fuck, man? Rien d'autre. Je te laisse le bateau. Non, ouais, bah ouais. Je cours, viens, y'a des mecs, je cours, y'a des mecs là. Tu les vois ou pas, je cours? Oh, il a accéléré le bateau là. What? Regarde comment il va vite. Regarde ça. Mais c'est des cheaters, gros. C'est quoi ce truc de ouf? Ah, peut-être un mégalodon. Ah ouais, mais aussi long là, hein, comme ça. Hein ah ouais, je suis en full parade. On en parle ou pas? On en parle ou pas? Je suis en full parade. Je suis en haut sur le pont, gros. Le mec il est en bas, hein, dans sa cale. Oh là, il y a un squelette qui va pas. Combat sous-marin, attention, mesdames et messieurs. Combat sous-marin. Incroyable. Ces squelettes sont immortels. Très smart, fils de pute. Il a froid, je crois. Ça aurait pété le baril normalement. Bah ouais, ou à moins que c'est vraiment touché que le squelette, barrière dessus, je sais pas. C'est chelou. C'est chelou ce qu'on vient de se passer. Ah ouais. What the fuck, je suis passé à travers le bateau. What the fuck. Do you want to try again? François-Xavier Ménage dans encore duplex de Gaza avec Jérémy Muller. Que les bombardements d'Israël sur la bande de Gaza n'ont pas cessé cette nuit en dépit des rumeurs de trêve qui paraissent d'ailleurs un peu loin ce matin. Et puis on s'interroge sur l'offensive israélienne pour plusieurs raisons. Alors, il y a d'autres explosions, beaucoup d'autres explosions qui ne concernent pas évidemment des endroits où étaient les journalistes qui ont eu lieu dans la ville de Gaza. Juste un exemple concernant par exemple la marine israélienne en l'espace d'une heure à quelques kilomètres des côtes, mais qui va de
150 salves ont été lancées vers le nord notamment et le sud de Gazaville. Et puis des hélicoptères, des avions, des drones qui sont rentrés en action une très bonne partie de la nuit et qui sont toujours en train d'effectuer des frappes chirurgicales dans certains endroits. François-Xavier Ménage, à propos de l'armée israélienne, on s'interroge ce matin sur ses intentions. Est-ce que Tsahal, qui est quand même une des armées les plus fiables au monde, a donné une explication sur cette roquette donc...